Et on se retrouve amis sur Mech Arena. Donc oui, je baisse le son parce que c'est fort. Ouais, parce que là, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je fais des vidéos sur Mech Arena, c'est fort les vidéos. Je suis vraiment désolé pour ça, honnêtement. Mais j'ai pas, franchement, j'ai pas du matos pro hein, comme tout le monde disant. Donc je fais avec ce que j'ai. Hein. Dans le futur, hein, d'ici 2-3 ans, hein, peut-être. Hein. Ouais, parce que je sais, parce que on va dire que les bonnes vidéos de qualité, bah, il faut avoir un studio, je sais pas quoi. Je trouve que c'est useless. Bref, je vais arrêter de me plaindre, hein, sauf que dans chaque vidéo, je me plains. J'ai lu pas mal de vos retours sur la chaîne, en tout cas. Aussi, bah, j'ai lu vos commentaires. En tout cas, merci de vos retours. Hein. C'est grâce à vous que bah, ça m'aide énormément. Donc, il y en avait des commentaires où on m'avait expliqué que bah, je dois parler normalement. Dites-vous que je parle vraiment normalement, c'est juste que. Que. J'arrive. Ah, purée, je peux parler. Je bégaye aussi. Et aussi, ben. Bah... Purée, mais j'arrive pas à viser. Ça m'énerve parce que je viens de me toucher. Ça m'énerve cette map en fait, c'est pété en fait, parce que le mec il me touche de loin. En fait, j'ai du mal à m'exprimer. Même si que dans les vidéos, j'arrive bien à m'exprimer, c'est juste que je bug quand je parle. Donc, et des fois j'ai des. On va dire. Des trous de mémoire. Donc, ouais. Donc, en tout cas, merci de ton retour, en tout cas pour ça. Et t'inquiète pas, je parle à ma façon. C'est juste que j'essaie de parler mieux comme il faut. Et non pas bah, d'une autre façon. Parce que ce qui est ensuite, c'est que on m'avait expliqué que je parle vite. Et je suis d'accord avec vous. Ok, j'ai même pas. Ok, bon. Ouais, j'ai même pas réagi à ça, j'ai même pas vu. Donc voilà, en tout cas, c'est que je reste d'accord avec vous, le fait que je parle vite. C'est vrai que par moment, c'est cool d'avoir des pauses. Et j'ai remarqué sur la dernière vidéo, j'ai fait une pause en tout cas, au moment où je parlais, et ça fait du bien. Donc, je ferai ça sûrement. C'est pas sûrement, c'est obligé. Comme ça, bah, pour vous, quand vous allez regarder la vidéo, c'est plus agréable. Et je vous comprends, mais moi, regardez quand je regarde ma vidéo, avant quand ça sorte, je regarde toujours la vidéo si ça me plaît, pour que ça me plaît. Parce que les vidéos que je fasse, c'est pour vous, pas pour moi. Pas parce que ça me plaît. Que ça y est, c'est pour moi, non, c'est pour vous. Donc faites bien attention à ça. C'est que ces vidéos, c'est juste pour vous, c'est pour tout le monde. Et non à une seule personne. Ouais. Il y a des vidéos que bah, ils vous plaisent et des vidéos qui vous plaisent pas. Et c'est tout à fait normal, c'est un truc humain. C'est pareil comme moi, quand je regarde des vidéos, il y a des vidéos que j'aime pas et il y a des vidéos que j'aime. Donc voilà. Oula, le mec, c'est rien, il a rien compris à sa vie. Donc c'est pour vous dire que ben ne vous étonnez pas. J'ai regardé le nouveau playoff. Ben, il n'est pas si terrible que ça en vrai. En fait ça vous permet de gagner le Aegis. Donc c'est bien mais. C'est bien pour ceux qui l'ont pas. Mais c'est bi pas bien ceux qui l'ont. Ça vaut pas le coup, honnêtement. Donc ouais, après cette game là, je vais vous le montrer, mais ça vaut. Quand il top 1, ça vaut 2500 pièces A. Ça vaut pas le coup. Par contre, on peut le savoir que il y a un coût mais moins élevé d'un robot. En gros, pour vous expliquer, c'est que ce Aegis, à mon avis, il va être dans le shop, s'il va être dans le shop, dans la boutique de l'inventaire du jeu, il va coûter entre 2500, même voire plus bas. Il se peut qu'ils peuvent mettre plus bas. Parce que le plus haut c'est 2500 et le plus bas ça reste moins cher. Donc, à mon avis, ils vont le mettre sûrement dans la boutique un jour, mais moins cher. Parce que quand t'es top 1, ça coûte 2500. Mais non, tu gagnes 2500. Parce que moi je peux le faire, mais ça sert à rien. Parce que regardez, tu gagnes rien du tout. Ça vaut pas le coup. Pour moi, ça ne vaut pas le coup. Tu gagnes le playoff de recherche. Tu gagnes déjà, bon, je connais un coffre, ouais, c'est cool. Mais par contre, je crois que je vais éternuer. Les récompenses sont nulles. Ok, tu vas gagner des coffres de prodiges, c'est cool. Mais aussi, tu vas gagner des trucs
truc d'emploi avancé, ok, c'est cool. Un peu de crédit, ok, c'est cool. C'est tout en fait. Avant, tu pouvais gagner des implants, des trucs, ou même des. Des. Comment ils s'appellent? Des trucs là, les cartes là. Pour améliorer vos armes, vos robots. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais les cartes pour améliorer. Ben. C'est ça en fait ce qui est bien. Donc, ouais. Moi, j'aurais bien attendre un nouveau robot. Enfin. Genre le Stalker, je l'ai pas reçu. Je l'ai pas encore vu dans le playoff, dites-vous. Il y a eu jamais un playoff où il y a le Three, stalker. Donc ouais, two, si y a un stalker, je le ferai. Obligé. Mais si on en one. fausse, ça sert à rien. Après, s'ils mettent des armes, tant mieux. Tant mieux. Et aussi, je crois qu'on est en épisode 95, ça passe vite le temps. Le mec, il a rien contre sa vie. Je sens, ouais. Ah ouais. Je voulais de mourir pour faire un kill en fait, c'est sûr que ça vaut pas le coup. Ouais. Ça vaut pas le coup du tout. Du coup. Pardon. Du coup. Est-ce qu'on va réussir à gagner? Bon, franchement, ça vaut pas le coup ce que j'ai fait. Et ne faites pas la même erreur que moi. Parce que cette erreur, ça peut payer cher. Ça me désavantage beaucoup de choses. Parce qu'il y a moyen que je puisse m'acheter un robot supplémentaire. Enfin, un robot supplémentaire après mon amélioration. Après que je maximise mon Rocket Mortar 12, je pourrais sûrement m'acheter un nouveau robot. Donc, même une nouvelle arme. Ça vaut pas le coup du tout. Donc c'est naze. Par contre, il y a une arnaque. Il y a une fête de spécialisation qui permet de gagner des pièces A, mais sans. Ils ont enfin. Ils ont. En fait, c'est pas une arnaque. On va dire, pour moi, c'est un nerf. Parce que franchement, ils ont bien joué. Parce que c'est pété, mais. Ils ont fait deux fois d'affilée. Ils ont compris que c'était pété. Donc. Ouais, c'est vraiment pété 300 d'affilée. Je sortirai une vidéo où je calculerai toutes les récompenses gratuites. En pièce A. Comme ça, vous pouvez voir une grosse comparaison. Et on peut faire un jeu. Dites-moi en commentaire combien vous pensez gagner de pièces A dans le jeu en total. Vous comptez les prouesses et tout. Donc, non, j'estime au moins dans les 10 000 de pièces A. Parce que c'est beaucoup. Il suffit de faire tous les prouesses. Dites-vous que si vous faites toutes les prouesses, vous aurez une moyenne de 8 000 de pièces A, même voire 8 700. Si vous faites toutes les prouesses du jeu, ça compte ainsi avec les nouveaux robots. Donc, ça veut dire à chaque fois qu'il sort un nouveau robot, ça ajoute des pièces A. Donc, c'est pété. Après, vous commencez avec les tournois, vous pouvez monter jusqu'à 10 000, 20 000 pièces A, même voire plus, s'il y a des événements qui ajoutent des pièces A, supplémentaires surtout. Donc ouais, c'est vraiment pété. Mais vraiment pété. Donc ouais. Sur ce, aussi, les vidéos, là, je pense que ce sera sûrement la dernière vidéo qui va être pas de montée parce que, comme je l'ai dit, mon ordinateur a un problème. Là, il va mieux l'ordinateur. Donc, tant mieux. Donc, je pense sûrement que les prochaines vidéos seront montées. Donc, je verrai parce que si je l'allume, qu'il y a encore un problème. Ça va me ralentir encore les choses, ça m'énerve en fait là. Ça me bloque tout le processus et je fais tout ce que j'ai avec. Donc ouais. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire positif ou négatif, cela peut aider grandement la chaîne. On se retrouve pour une prochaine vidéo et moi je vous dis ciao tout le monde.